Eh bien voilà, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est notre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Quel est-il vraiment explosif? On est à deux doigts, à deux pas donc de 2017, et les choses en 2016 ici commencent carrément au terminus. Ça veut comme dans une course de fond, la dernière ligne droite, vous voyez. Donc les choses commencent à prendre de la vitesse, sinon c'est l'ère du verso en quelque sorte. Tout ce qui était caché est en train d'être révélé. Sinon, tout ce qu'on nous avait occulté depuis toujours par le passé, aujourd'hui, il y en a qui sont capables de nous les délivrer. Alors, donc, le thème, pour ceux qui ont compris, c'est corriger les erreurs du prophète du temps de la fin. Et pas n'importe lequel, parce qu'il y en a nombreux qui se fabriquent, qui s'autoproclament prophète. Non, le vrai prophète du temps de la fin. William Marion Branham, celui des frères et sœurs du message. On va corriger ces erreurs. Quelle troisième partie, parce que justement, nous avions dit dans les pensées du jour avant, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais aujourd'hui, la pensée du jour, difficile de défendre le mensonge. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, vous n'êtes pas représenté. Frère Boris Botta, frère Freshnel, Freshnel en Douba, Freshnel il est libre penseur, il n'est pas dans une église. Freshnel, est-ce que vous êtes pasteur? Non, 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 je suis un frère. Pas évangéliste et tout ça? Non, un frère qui scrute les Écritures pour saisir la profondeur de la pensée de Dieu et de la mettre en pratique. Vous avez été autrefois dans les Témoins de Jéhovah. Oui. Vous avez passé 11 ans dedans pour peu qu'on s'en rappelle, et puis vous en êtes sorti. Vous êtes venu ici nous faire une démonstration de choses pas catholiques. On attend que les témoins de Jéhovah viennent venir ici. Sinon, en passant, vous nous avez aussi ouvert les yeux, si on peut le dire ainsi, sur William Branham. Est-ce un petit rappel sur ce passage? Si, quand je suis sorti chez les témoins de Jéhovah, j'étais comme poussé à me poser la question pourquoi les témoins de Jéhovah m'ont chassé de chez eux. Parce que j'ai été chassé. Normalement, quand on excommunie quelqu'un, on lui demande s'il veut partir. Mais moi, on ne m'a pas demandé. On m'a tout simplement dit, puisque tu ne veux pas suivre l'esclave, tu vas partir. Et j'ai accepté, mais je me suis posé la question, mais est-ce que j'étais donc dans une église qui n'adore pas Dieu en vérité? Quand j'ai posé ces questions, deux questions me sont revenues à l'esprit. Et ces deux questions vont m'orienter à l'Éternel, où je vais avoir la confirmation que les témoins de Jéhovah sont des francs-maçons chrétien. Et maintenant, ma décision, c'était d'aller au message, parce que à part des témoins de Jéhovah, il y a les gens du message. Voilà. Le prophète William Marion Branham. Voilà. C'est eux qui sont sérieux, ils sont un peu identiques sur les principes. Voilà. Des jupes longues. C'est rassurant, des jupes longues. Voilà. Et je me suis dit, bon, au lieu d'aller aussi là-bas, il faut donc commencer aussi à vérifier. Est-ce qu'eux aussi ne sont pas francs-maçons. L'apparence est vraiment synonyme de réalité. Voilà. Quand je me suis intéressé à ça, et finalement, je me suis rendu compte qu'eux aussi, ils sont des francs-maçons. Donc, du coup, je vois que le fondateur des témoins de Jéhovah, sinon des étudiants de la Bible, est enterré sous une pyramide. Et puis, Branham aussi est enterré dans une pyramide. Du coup, c'est la même chose. Je me suis rendu compte que, bien, voilà, ces deux groupes ne font que la même mission. Et ils sont pareils. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà. C'est clair. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Hein, ça, c'était au passage du frère Freshnel Ngouba quand il était arrivé sur ce plateau d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. C'est vrai que ça nous avait tous choqués. Mais à ce jour, aucun témoin de Jéhovah, avec tout le respect qu'on leur doit, n'est venu protester ici, comme qui dirait que qui ne dit mot, qu'en sont. Alors, frère Boris, oui. Le frère Freshnel encore, il était venu dire certaines choses. Mais vous avez été dans le message, vous avez été 15 ans durant, vous y avez mangé, bu et dansé, vous avez fait la pluie et le beau temps dedans. William Branham vous a élevé, il vous a honoré, il a fait de vous quelqu'un. Son message vous a fait peut-être voyager aussi. Il a fait de vous le grand homme que vous êtes devenu. D'où vient-il que vous arriviez, comme pour tout déraciner, comme pour tout détruire, comme pour vilipender le très grand prophète William Marion Branham? Bien, je crois que c'est la troisième émission. C'est la troisième émission. Donc, vous êtes récidiviste.
Non, pas du tout. Je m'étais exprimé, je crois, depuis les deux premières émissions pour dire que ce sont les affaires du Seigneur. Et dans cette qualité-là, étant donné que ce sont les affaires du Seigneur, nous n'avons pas le choix. C'est le Seigneur qui nous envoie. C'est comme il avait envoyé Moïse dans la maison de Pharaon. Le but pour lequel Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, ce n'était pas pour qu'il devienne un prochain Pharaon. C'était pour qu'au temps convenable, le Seigneur puisse l'utiliser afin qu'il puisse détruire la dynastie égyptienne. Donc, ne pouvait délivrer Israël de l'esclavage pharaonique que quelqu'un qui maîtrisait les divinités pharaoniques, qui maîtrisait tous les contours de divinités égyptiennes. Voilà pourquoi Moïse était le seul homme qui a été renvoyé, tout comme Paul aussi. Il a d'abord séjourné dans le judaïsme pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur, et c'est le Seigneur qui l'envoie vers les Juifs, vers ceux qui étaient restés dans le judaïsme, pour leur dire, écoutez, le système n'est pas conforme à la parole, voici la vérité de l'évangile, et c'était ça son combat. Donc mon combat aujourd'hui, c'est de repartir vers mes frères, l'Égypte, et ensuite de dire à Pharaon, laisse aller le peuple du Seigneur, afin qu'il serve réellement le véritable Christ de la Bible. Voilà son combat, voilà sa mission, mesdames et messieurs. Comme qui dirait Moïse, le très grand prophète Moïse, celui-là qui a libéré Israël, celui qui a été le guide, qui leur a fait traverser la mer Rouge, ce Moïse-là, au départ, avait été lui-même initié dans les sciences les plus occultes de l'Égypte ancienne. Et il était arrivé au stade le plus haut, sinon successeur éventuel du Pharaon, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est ce Moïse-là, Dieu s'en est servi pour sortir Israël. Personne ne pouvait maîtriser les tenants et les aboutissants, sinon les contours, hein, les méandres de la civilisation égyptienne, sinon les profondeurs de la magie et de l'occultisme de l'Égypte de cette époque-là, mieux que Moïse. Voilà pourquoi le Seigneur s'en était servi. Mais ce n'est pas une manière pour nous d'être d'accord avec Frère Boris, moins encore avec Freshnel Ngouba, mais de ressouligner ici que depuis que le frère Archel s'était hasardé à essayer de défendre William Branham ici, à la deuxième partie, il était porté disparu. On le recherche jusqu'à aujourd'hui. Même si il en sourit dans sa barbe là-bas. Mais les frères Israël et les autres, que je respecte beaucoup, le pasteur Godam, où sont-ils? Cherchez tous les poids lourds du message du temps de la fin. C'est ça ce que Frère Boris cherche ici. Il vous attend impatiemment. Et la directive a laissé cet espace pour vous. Voilà pour défendre le prophète lui-même. Aucun messager n'est visible. Des deux rives du Congo, personne. Et même à travers toute l'Afrique, puisqu'on est suivi partout. Ça veut dire quoi cette histoire? Donc on reconnaît que Branham, c'est un franc-maçon de 33e degré. Et que véritablement, comme le dit Freshnel, c'est de la franc-maçonnerie chrétienne. Et là encore, Freshnel, on le comprend. Mes frères, venez ici déraciner ce que le frère Boris se targue de nous dire chaque fois ici. Il dit, donnez-moi une seule prophétie, une prophétie seulement, du prophète William Marion Branham, qui se soit comme ça accompli. Si ce n'est pas grave. Ça. Donc vous voulez nous dire, tous tels que vous êtes là, qu'il n'y a aucune, même pas une prophétie de William Marion Branham d'accompli. Parce que justement, comme disait Frère Boris, oui, vous êtes bandit. Vous disiez que les prophéties du prophète, c'est des prophéties toujours dites après les faits. Oui. Deux ou trois mois après les faits. Oui. Jamais en avance, mais après toujours. Exactement. C'est ce qui fait qu'une... nos amis ne soient pas capables de venir répondre, de relever les défis. Parce qu'ils sont conscients que chaque élément qui a été évoqué durant les deux premières émissions est l'exacte vérité. Et autrement dit, vous confirmez que tout ce que vous aviez dit est vrai. L'exacte vérité. D'accord. Puisqu'ils sont portés disparus, puisqu'ils ont fui, donc vous avez le champ libre. Que personne ne dise homéostasie, c'est vous le journaliste qui les soutenez, c'est vous qui appuyez. On n'appuie pas. Mais on est bien obligé d'accepter les arguments qui sont donnés ici, jusqu'à ce que le pasteur Godam arrive ici. Il faut qu'il arrive, le pasteur Godam. Vous le connaissez, le pasteur Godam? Oui, je le connais très bien. C'est un grand pasteur. C'est un ami. Un ami en plus. Il faut qu'il arrive. Entre amis ici, vous allez décrypter les brochures. Parce que ce sont les brochures qui doivent parler.
Alors, bon, cela dit, il nous reste très peu de temps. On a d'ailleurs pas beaucoup de temps quand on parle de spiritualité. Vous allez vous le partager et nous dire qu'est-ce que vous voulez dire aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez ajouter, qu'est-ce que vous et le frère Freshnet là-bas vous visez, quelles sont vos intentions. Donc, on vous laisse le champ libre pour vous adresser tour à tour à tous ceux qui nous suivent, sinon pour nous délivrer tout ce que vous avez à nous dire. Et on va continuer l'émission. Donc, je crois que le frère... Ok, c'est bon. Alors, lorsqu'on avait fait l'émission, je pense que c'était au début de l'année. Et j'avais dit que dans l'une des brochures, sinon des livres de Branham, il avait acquiescé qu'il n'était pas mauvais d'être chrétien et franc-maçon. J'ai ici le livre. Donc, le livre en question, je l'ai recherché, je l'ai trouvé, COD. Donc, dans ce livre, à la page 626, et c'était la question 162. On lui avait posé cette question en disant, « Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons ?» Voici sa réponse. « Non, monsieur, soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. » Donc pour lui, que vous soyez sorcier, vous soyez magicien, vous soyez prostitué, en fait, si on suit la profondeur de la pensée, c'est ça. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Donc, tout le monde, comme ça, ramassé à la folie, sans ordonner sa vie, donc, selon les principes de la parole de Dieu, on peut devenir chrétien. Or, déjà sur ce point, vous allez vous rendre compte qu'il est subjectif. Il dit ici, peu m'importe. Donc, ce n'est pas la vie de Dieu qu'il a en tête. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas ça lui importe peu. Voilà. Et ce n'est même pas la vie de Dieu. Non, c'est lui. Et quand on voit comment est-ce que ce livre est bâti, les deux volumes, c'est comme si les gens ou les frères du message n'ont pas eu confiance en la parole de Dieu. Ils ont vu Branham, ils ont dit, ah, nous on a beaucoup de problèmes ici qui ne sont pas traités, voilà l'homme qui va nous traiter. On a commencé à lui poser des questions et il répondait subjectivement, comme bon il lui paraissait, il donnait des réponses. Et c'est sous la base de ces livres-là que la doctrine du message est basée. Donc ils appliquent ça. Le prophète avait dit, pas de robe, le prophète avait, non, pas de pantalon, pas de boucle d'oreille. C'est selon les réponses qu'il avait données dans ces livres. Et c'est subjectif. Or, toutes les questions avaient été déjà traitées dans la parole de Dieu. Par exemple, prenons le cas des francs-maçons. Est-ce qu'un croyant, je parle du croyant, est-ce qu'un croyant peut être franc-maçon? Il suffit seulement de poser la question, qui est un franc-maçon? Qui sont les francs-maçons? Ce sont des gens toujours hermétiques, fermés. On ne sait pas comment est-ce qu'ils sont. Est-ce que, quelles sont leurs doctrines? Est-ce qu'ils adorent? Ils adorent qui? C'est Dieu le créateur, c'est Satan, c'est un démon, c'est qui? On ne sait pas. Quels sont les rites, le rituel à leur niveau là-bas? C'est caché là. Même le hermétiquement verrouillé. Voilà, on dit même qu'il y a des formations ici, mais on ne les connaît pas tous. Il y a même des grands maîtres ici. Qui est le grand maître? Comment est-ce qu'il préside les réunions là-bas? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont nus? Est-ce qu'ils sont habillés? Est-ce qu'ils mangent des gens? Est-ce qu'ils sont responsables des accidents qui se passent dans notre pays? Est-ce qu'ils boivent du sang humain? Point d'interrogation. On ne sait pas. Donc, des gens qui ne nous présentent pas clairement qui ils sont. Or, la parole de Dieu est claire. Dans Psaume, je pense bien le Psaume 26, il dit, c'est David qui écrit, « Je ne me suis pas assis avec ceux qui cachent qui ils sont. » Donc, des gens qui ne sont pas transparents, on ne peut pas s'associer à ceux-là. Et dans Corinthiens, l'apôtre Paul est clair, est-ce qu'il y a le mariage entre l'obscurité et les ténèbres? Donc, on n'avait pas besoin de reposer cette question à Branham. Qui était Branham? On avait déjà Jésus. On a déjà Jésus, on a la parole de Dieu. Donc, tout homme, s'il a des décisions à prendre, il doit se mirer devant la parole de Dieu. D'accord. On vous arrête parce qu'on sait très bien, mesdames et messieurs, que tel que c'est parti, là, il en a pour même nous faire un séminaire, tellement il maîtrise la chose. Mais le livre est là. On a vu de loin, c'est... COD. COD, conduite, ordre, doctrine de l'Église. Et les frères du message, certainement, ils connaissent. Alors, frère Boris, oui. Qu'avez-vous à dire à votre tour?
Et je crois que j'aimerais d'abord prendre un point qui est très important, puisque, étant donné que nous sommes toujours limités par la notion du temps, j'aimerais d'abord faire comprendre à nos amis téléspectateurs que selon ce qu'on leur enseigne au niveau du message de Branham, on leur dit que le prophète, c'est la bouche de Dieu. D'abord, la maison de distribution des brochures qui est aux USA porte la dénomination Voice of God Recording. Donc la voix de Dieu enregistre. C'est même écrit. Oui, on a même vu ça là sur la route de, okay, de Mukondo. Ok. Maintenant, j'aimerais prendre un peu de temps de lire Branham, parce que pour qu'on ne dise pas qu'on lui a fait dire. Oui, lisez Branham. Nous, on préfère que vous lisiez. Parce que d'inventer des choses contre loin de Dieu, voilà, ça, Branham, ça entraîne la malédiction, comme Branham, nombreux nous ont envoyé des messages ici. Branham commence à définir d'abord la manière d'un vrai prophète. Comment fonctionne un prophète? Dans le message et l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 134, je le lis. Il dit: maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit: comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Donc déjà, en comprenant ici, cette écriture à elle seule suffit déjà pour faire comprendre à nos amis, parce que chaque fois qu'ils sont confrontés, ils se rendent compte qu'ils sont devant une fausseté énoncée par Branham. Ils veulent un peu retourner leur manteau pour dire: écoutez, il a parlé là en tant qu'un homme, ça c'est pas Dieu qui a parlé. Il y a des moments où il est homme, il y a des moments où il est prophète. Il y a des moments où il est un peu plus proche de Dieu, mais à certains moments... Le prophète est conçu pour ne même pas penser ses propres pensées. Donc lorsqu'il délivre des oracles du Seigneur, il ne peut même pas exprimer ses propres paroles parce qu'il est conçu ainsi. Alors si Branham est un prophète, il doit fonctionner comme doivent fonctionner tous les prophètes. Alors il ajoute ceci pour ce qui est de la voix de bande, puisque les brochures sont lues du haut des chairs, les fragments de citations sont lus, et on prend ces paroles de Branham comme étant des paroles plus vraies que même les paroles de la Bible. Alors, jusqu'à ce que tout, quand tout va bien, mais quand on est confronté devant un échec prophétique de Branham, alors on dit non, là c'était lui en tant qu'un homme, c'était pas Dieu. J'aimerais lire encore une citation de Branham sur l'autorité qu'il accorde à ces bandes. Il dit ceci: dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, prêché le 17 mars 63, au paragraphe 106. Là, il est en train de prêcher les sceaux, ce grand message. Il dit: alors maintenant, écoutez bien chaque mot, saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est sur la bande. Voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit. Vous voyez? Et donc, très souvent, il y a de la confusion, des gens qui se lèvent pour dire: eh bien, un tel a dit cela, cela voulait dire telle et telle chose, laissez-le donc tel quel. Donc ici, Branham nous dit ici que ses paroles ne sont pas les siennes, qu'elles sont divines, et ce qui signifie que si Branham... Mais c'est normal, puisqu'il est prophète. Voilà, si Branham dit un mensonge, nous devons conclure que Dieu est un menteur, puisqu'il dit que ses paroles... Par ricochet. Voilà. Ces paroles qui sont sur bande ne sont pas ses paroles, mais ce sont les paroles de Dieu. Alors si on retrouve sur bande du mensonge... Du mensonge, donc, le Dieu de Branham est menteur. Ah. Et là, et si nous ne voulons pas accepter que Dieu soit menteur, alors nous devons admettre que le menteur, c'est William Branham. On doit cesser de tergiverser sur cette question. Lorsqu'on retrouve un mensonge sur... Mais sur quoi le prophète du temps de la fin a menti? Justement sur les bandes. Okay. Quel mensonge, n'est-ce pas, Frechner? Si, sur les bandes, quand nous scrutons les voilà, bandes, toute oreille, tous yeux ouverts, prenons, sur quoi il a menti? Prenons d'abord un point, la fin du monde en 1977. 1977. Voilà, William Branham avait prédit sous l'inspiration divine que le monde connaîtra sa fin
en 1977. Il dit, et ça n'a jamais eu lieu. L'inspiration, c'est connu. Donc en d'autres termes, autre mensonge. Il nous a affirmé que Dieu lui a dit. Ça, c'est d'abord un mensonge. Voilà. Ça, c'est clair et net. Jusqu'à ce que le pasteur Godin, le frère Israël et les autres arrivent pour nous démontrer que Branham n'avait jamais dit 1977. Voilà. Donc, s'ils arrivent pour corriger ça, d'accord. Okay. Eux-mêmes, ils auront aussi corrigé le prophète. Voyez maintenant la suite. Oui. En d'autres termes, Branham. Il vous reste une minute avant qu'on repasse là-bas. Oui. Ok. Que Dieu lui aurait dit que la fin du monde arriverait en 1977. Alors cela n'est pas arrivé. Était-ce Dieu qui avait dit à Branham que le monde connaîtra sa fin en 1977 au point de nous mentir? Ou encore, était-ce Branham qui a dit cela de son propre chef? Donc entre les deux, le monde n'ayant pas connu sa fin en 1977, soit le Dieu de Branham est menteur, soit Branham lui-même est menteur. Donc on doit vraiment avoir un menteur entre les deux. Il faut qu'il y ait forcément un menteur. N'est-ce pas, Fréchenel? Si. Sur la question Fréchenel, la fin du monde, le prophète de Dieu annonce la fin du monde en 77. Ça arrive et ça ne se réalise pas. Entre le prophète et Dieu, il y en a un quand même qui est menteur, n'est-ce pas? Si, mais dans le Deutéronome, il est énoncé clairement que quand un homme vient, il annonce une parole qui ne va pas s'accomplir. Ça veut dire que cette personne-là, c'est un menteur. C'est un menteur. Que Dieu n'est pas dedans. Non, Dieu n'est pas là. Vous avez fini ou bien il y a une minute à ajouter quelque chose? Oui, je peux encore ajouter. Rapidement, une minute avant qu'on ne repasse là-bas, parce que Fréchenel aussi a des choses à ajouter. Ok. Puisqu'on a eu la chance, il n'y a aucun homme du message du temps de la fin. Désormais, enlevez tous vos chapeaux. Parce que pour porter les chapeaux, là, vous êtes les premiers. En costume, cravate et tout ça, vous parlez la vision de l'aigle, le tabernacle et compagnie. C'est ici que ça se joue. Ce jour-là, nous avons pris comme un cheveu dans la soupe le frère Archel. Il s'est défendu ici. Mais après lui, personne d'autre. C'est lui que vous devez élever prophète chez vous là-bas, puisque personne ne vient ici. On vous écoute. Alors, il ne s'arrête pas sur ce point-là. Il y a plusieurs points. Il y a un point qui est un peu plus comique encore. Vous savez que William Branham avait prophétisé que l'homme, avec la science, n'arriverait jamais à construire un engin qui va l'emmener jusqu'à la Lune. Il a dit que c'est impossible que l'homme arrive à la Lune, parce que s'il arrive à la Lune, le jour, il va brûler, par le soleil va le consumer complètement. Et la nuit, il va complètement geler. Non, mais il n'a tout de même pas dit ça, ce n'est pas écrit quelque part. C'est écrit. J'ai la déclaration ici, je peux le lire. Dans un livre aussi. Dans un livre aussi. Une déclaration de William Branham. Oui. Je donne la référence. Ah. The Basic of Fellowship, prêché le 14 février 61, paragraphe 112 jusqu'au paragraphe 113. Il dit ceci. Et je vous dis maintenant, c'est un programme qui vous prendra une centaine de milliards, millions d'années-lumière au-delà de la Lune. C'est vrai. Et là, si vous allez sur la Lune, vous ne pourrez pas vous asseoir parce que, voyez, vous tomberiez, à moins que vous ayez un aimant pour vous maintenir là-bas. C'est comme s'il était scientifique. Voilà. Donc, si quelqu'un va sur la Lune, il va tomber sur la Terre, à moins qu'il y ait un aimant pour le maintenir là-bas sur la Lune. Ça, c'est la science selon Branham. Il continue, dit, vous ne pourriez pas rester pendant la nuit, vous géleriez à mort. Il fait nuit sur la Lune, on ne sait pas. Dans la journée, vous brûleriez. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez là-bas? Première déclaration. La deuxième, dans l'écriture sur la muraille prêchée le 9 mars 1958, paragraphe 129, il dit, quelle est la signification de ces spouniques dans les cieux? Quelle est cette Babylone moderne dont nous essayons de construire une machine pour nous amener sur la Lune? Vous n'y arriverez jamais. Ça, c'est 58 qui déclare cela. Mais l'histoire a défié le prophète Branham. Parce que il a confondu. Le 20 juillet 1969, soit 4 ans après la mort de Branham, Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont foulé le sol de la Lune. Et l'homme a construit une machine qui l'a transporté sur la Lune. Alors, où se trouve la prophétie de William Branham? Et ils n'ont pas emmené des aimants là-bas pour ne pas tomber. Ils n'ont pas gelé là-bas. Ils n'ont pas été consumés. Par contre, ils étaient dans des scaphandres bien étudiés et en toute sécurité. Ils ont pu faire ce qu'ils ont fait, ils ont mené à bien leur mission. Sur ce point encore, soit c'est le Dieu de Branham qui a menti, nous a tous menti. Soit c'est Branham lui-même qui est menteur. Et pendant qu'il disait ça, Dieu disait, moi je ne suis pas dedans. Il a dit que ses paroles ne sont pas les siennes, ce sont les paroles de son Dieu. Ah, de son Dieu. D'accord. Voilà. Ah, mais oui, parce que là, de son Dieu. Ouais. Voilà. Reste, mesdames et messieurs, à identifier le Dieu du prophète Branham. Nous, on l'aime beaucoup. Hein. C'est lui qui a ouvert pour nous les sept sceaux. C'est lui. Avant lui, personne. Et après lui, personne. Le frère Boris, il fait du bruit pour rien. Qui lui a décrypté l'Apocalypse, si ce n'est Branham?
Donc, M. Branham-là, il y a des points d'interrogation. À certains moments, est-ce que c'est lui ou c'est Dieu? Mais comme il a dit que lui, quand il parle, quand c'est sur la bande, c'est Dieu. Mais quand ça ne se réalise pas, on dit quoi? Il faudrait qu'on fasse revenir frère Archel. Puisqu'on n'a personne d'autre, c'est lui qu'on ira récupérer chez lui à la maison pour qu'il vienne donner des arguments ici. Alors, Fréchine, vous avez quoi à ajouter là dans cette histoire? Il y a beaucoup de choses compliquées. En tout cas, il faut en épingler pour nous. Voilà, je dois ajouter dans le sens de frère Boris. Il a parlé du mensonge que Branham avait annoncé sur le voyage dans l'espace. Alors, le jour où on a fait la mission, j'avais dit que sur les sept âges. J'avais dit si Branham a dit sept âges de l'Église, voilà, c'est lui qui nous a révélé ça. S'il a dit que c'est lui le révélateur de sept âges, c'est un grand menteur. Et j'avais souligné grand avec grand G. Et vous insistez. J'ai continué à insister. Donc vous êtes récidiviste. En tout cas, ça, Branham, c'est un grand menteur. Mais revenons sur ce que le frère Boris a dit. Lui, il défie en quelque sorte les gens de la NASA. Et pourtant, ce sont les gens de la NASA qui font sa fierté avec la prétendue colonne de feu. On dit que ce sont les gens de la NASA qui avaient filmé cet astre-là, je ne sais pas, cette entité qui l'accompagnait. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que ce sont les scientifiques de la NASA qui doivent établir des règles pour dire que voilà, c'est un astre, c'est cet homme-là qui doit être Dieu parce que voilà, il y a l'astre. Et qui sont-ils? Est-ce que les gens de la NASA ont un lien dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est eux qui devaient faire ça? Qu'est-ce qui dit qu'ils ne collaboraient pas avec Branham? D'ailleurs, les preuves montrent que Branham est un franc-maçon et nous le savons. Les gens de la NASA, ce sont des grands francs-maçons qui sont dans l'occultisme approfondi. Et d'ailleurs, les découvertes qu'ils font, ils ne le font pas gratuitement. Il y a et des... ils ne s'en cachent pas. Voilà. Il y a des livres, il y a des magazines qui sortent tous les jours. Voilà, ils font des pratiques occultes. D'ailleurs, si Branham avait un feu qui brûlait sur sa tête, ce n'était qu'eux qui pouvaient le voir parce qu'ils sont le tabac de la même pipe. Donc, le mensonge que Branham a véhiculé et que les frères du message viennent nous dire que non, et les gens de la NASA ont soutenu cela, en fait, ils ne comprennent pas que Branham travaillait en collaboration avec tous ces francs-maçons-là. C'est eux qui les soutenaient, c'est eux qui finançaient, c'est eux qui faisaient tout. Et ce sont ces scientifiques-là qui confirmaient que justement cette flamme-là, c'est vraiment, comment on appelle ça, la colonne de feu. Alors qu'on avait dit ici, ça n'a même pas la forme d'une colonne, une boule, comme un auréole, ok, ce n'est même pas une colonne. Donc, Branham s'est servi ou bien il était utilisé, voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser, il était utilisé par des francs-maçons pour atteindre un but occulte, pour ériger la religion. Je peux dire, la religion de Satan sur la terre pour égarer le monde. Et il a réussi à cette mission, je l'avais dit dernièrement, il est parmi les gens qui ont réussi à égarer le monde et beaucoup de gens sont sous la coupe de Satan par ce faux prophète du temps de la fin. C'est trop fort, mesdames et messieurs, c'est trop fort et ça nous choque. Mais nous ne cessons d'appeler le pasteur Godin à la barre. Et puis de l'autre côté, là, en RDC, il y a des poids lourds, ceux qui bouffent énormément au nom de William Marion. Parfois des grands sorciers, grands sorciers. Oui. Ils ont de grandes églises bien pleines. Oui. Ils doivent avoir chacun même à la maison un milieu de brochures. Mais c'est le moment de venir pour traverser de Kinshasa ici, ça ne coûte rien. N'est-ce pas le frère? Vous avez quelque chose à leur dire? Exactement. Les véritables poids lourds d'eux. Mais il faut avoir peur d'eux, hein. Ça c'est les charismatiques du message du temps de la fin. Bon, mais en principe, je crois que tout homme est petit devant la parole du Seigneur. Ah. Alors, j'aimerais ajouter un point pour appuyer le frère et déclarer clairement, ouvertement, que William Branham était un franc-maçon. S'il n'y a pas de temps, je vais quand même retracer un peu son petit parcours. Vous savez que William Branham, depuis l'âge de 14 ans, a vécu au milieu des francs-maçons. Ah. C'est les francs-maçons qui ont supporté ses frais d'hospitalisation quand il était accidenté. Et il a grandi au pied d'un Ku Klux Klan appelé Roy Davis, qui était... un grand occultiste, et c'est ce Roy Davis là que Branham appelle mon bon vieux maître. Et Branham, ayant grandi sous le ministère de Roy Davis, il a pris les doctrines de Ku Klux Klan. L'une des doctrines, c'est celle qui discrimine la femme, disant que la femme est responsable de l'entrée du péché dans le monde et qu'elle avait eu des rapports sexuels avec un serpent à l'origine. Et c'est une doctrine de Ku Klux Klan. Et la deuxième, c'est celle qui
réduit, qui n'apprécie pas la race noire, qui racisme. Prône la supériorité de la race blanche sur la race noire. Voilà pourquoi Branham appelait même les noirs par frère de couleur, homme de couleur, qui est une expression injurieuse. C'est vrai qu'on... Exactement. Homme c'est authentique couleur. Ce que vous dites. Exactement. Et Branham n'aimait même pas le président Kennedy. Vous savez que son pasteur Roy Davis a été cité lors de l'assassinat du président Kennedy. Et Branham ne supportait pas Kennedy, il le traitait comme étant la cape de l'Amérique, parce que Kennedy avait deux points dans sa politique. La première, il voulait mettre fin à la ségrégation raciale. Et la seconde, il voulait donner à la femme la possibilité d'occuper les grandes fonctions au niveau des États-Unis. Et ça, c'était contraire à la doctrine du Ku Klux Klan. D'où Branham, tout comme son pasteur Roy Davis, n'était pas d'accord. Alors, vous savez que Branham, dans son ministère, quand il y a des gens qui disent, écoutez, malgré qu'il était en erreur au niveau de la parole, mais il avait une puissance. Mais j'aimerais leur dire que la puissance de Branham était diabolique. Pourquoi elle était diabolique? Branham va le dire ici, la déclaration est là. Il dit que chaque fois qu'il prie pour les malades, il dit, lorsque je me tiens tranquille, vous ne savez pas ce qui se passe, je chasse un démon et je me reste tranquille. Ensuite, je prononce deux mots et trois mots secrets qu'aucun mortel sur la terre ne connaît, les trois mots que l'ange m'avait communiqués. Donc, en dehors du nom de Jésus qui doit chasser les démons, Branham avait trois mots secrets qu'il devait prononcer pour que les démons partent. Alors, il ne s'arrête pas là. Vous savez, Branham va jusqu'à déclarer ouvertement que tout son peuple sont des francs-maçons. Je les lis. Donc, c'est dans quelle brochure ou bien dans quel livre ou bien, parce que là, quand je vois mon frère Israël, non, Israël ne peut pas être franc-maçon. Pour que tous, non, mais ils ne peuvent pas l'être, ça dit consciemment, même s'ils peuvent nier que. Ça dit, c'est des francs-maçons qui s'ignorent. Voilà, ils sont francs-maçons inconsciemment. Inconsciemment. Branham, sa mission, c'était de dédier tous ceux qui croient en son ministère à la franc-maçonnerie. Donc, il y a dans le message de Branham des francs-maçons conscients. Ok. Il y a des pasteurs qui sont conscients, ils sont francs-maçons. Des pasteurs. Non, il ne faut pas les citer, sinon l'église va se vider. Même des sorciers. Vous savez même pourquoi ils ne viennent pas ici? Parce qu'ils sont conscients. Ils savent qu'avec la grâce du Saint-Esprit, on peut s'asseoir ici sur le plateau. Je peux dire à un pasteur ce qu'il est, dans le fond. Ce qu'il est en réalité. Il vient réellement. Alors, vous savez, il y a des pasteurs qui sont conscients. Vous faites bien de ne pas venir. Restez loin du frère Boris. Il y en a qui sont conscients. Ils sont francs-maçons, consciemment. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, les tabernacles à Brazzaville, le savent. Ils ont des pasteurs qui ne dorment jamais la nuit. Qui ne dorment jamais la nuit. Jamais. La nuit, les frères, ils doivent toujours avoir un groupe de frères qui doivent assurer la permanence autour de lui pour qu'il ne dorme pas, lui poser des questions toute la nuit, causer. Et on fait comme si, bon, le pasteur règle un peu les problèmes. Comme si c'était une causerie évangélique et tout ça, on réglait les problèmes. Oh, c'est des pactes nocturnes et des enseignements maçonniques. Maintenant, il y a d'autres qui sont francs-maçons, mais inconsciemment. Donc, ils pensent qu'ils servent le Seigneur, mais écoutons ce que Branham lui-même va dire. Rapidement. Okay. Écoutons lui-même Branham. Parce que nous, au moins, on est sûr de sa propre parole. Voilà. Puisqu'on ne doit pas les condamner sans écouter sa propre parole. Il dit ceci. Dans le message, le titre est ici. Je lis d'abord la citation, ensuite je donne le titre, puisque c'est une citation forte. Il dit, maintenant, je ne dis rien au sujet des Kiwanis, maintenant. C'est exact, voyez. Juste... quelques gens à prendre. Je crois que les maçons sont corrects. Mais les maçons, la loge maçonnique ne prendra jamais la place de l'Église ou du sang de Jésus-Christ. Tout mon peuple est franc-maçon. En anglais, on dit « All my people are Masons. » Il dit son peuple à lui, quoi. À lui, Branham. C'est les gens qui l'ont gagné. Je répète là. « All my people are Masons and they're all right as a lodge. » Tout mon peuple est franc-maçon et ils sont tous comme une loge. Ils ont tous une voilà. Loge. « But it won't take the place of the church. » Mais cela ne prendra jamais la place de l'Église. Donc, tous les peuples qui croient le message de Branham sont des francs-maçons. Il dit, c'est une loge. C'est ce qui explique même que le Branham Tabernacle, quand j'emmènerai la photo prochainement, le Branham Tabernacle... Prochainement, il faut qu'il y ait des démonstrations, voilà. Des photos à l'appui. On va s'arranger. Quand on regarde le Branham Tabernacle, ceux qui pourront même me rejoindre sur ma page Facebook vont voir cela.
il y a l'étoile de Baphomet, l'étoile à cinq branches. Ah non. Sur le Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. Et vous savez encore, nous ne sommes plus dans l'âge des tabernacles. Les tabernacles ont existé avec Moïse, et après le tabernacle, il y a eu le temple, et après le temple, l'église aujourd'hui. Alors, autant dans la dispensation de l'église, on ne devait plus parler des tabernacles. Maintenant, quand on parle des tabernacles, c'est une tente, et Israël a été reproché, même par Étienne, que pendant qu'ils étaient en pèlerinage dans le désert, ils avaient transporté la tente du dieu Moloch et l'étoile du dieu Rempham. Donc, vous voyez, Branham Tabernacle, il écrit Branham Tabernacle, ensuite il met l'étoile. Or, le tabernacle n'a jamais été associé au nom d'un homme. On n'a jamais parlé du tabernacle de Moïse, parce que c'était le tabernacle de l'Alliance. Étant donné que c'est le Branham Tabernacle, avec l'étoile ou le sceau de Baphomet, qui est là, l'étoile à cinq branches, là fixée devant le Branham Tabernacle, comme pour montrer que cet édifice est dédié à Satan. Le pentacle. Et c'est ce qui fait que lorsque vous entrez dans le Branham Tabernacle, vous allez trouver des enseignements comme la pyramide. Oui. Ah non, vous dire, pas des enseignements comme ça. Exactement. Il enseigne sur la pyramide pour dire que c'est la deuxième Bible de Dieu. Elle aurait été construite par Enoch. Ils se servent même dans leur église. Voilà. Ils mettent l'insigne de la pyramide. Donc, avec les sept marches de degrés qu'il faut gravir ainsi de suite jusqu'à atteindre ce qu'ils appellent la pierre de fête. Et Branham va jusqu'à dire que la pyramide qui est sur le billet de 1 dollar, c'est le sceau divin. Et l'œil qui est dans la pierre de la pyramide, c'est l'œil de Dieu. Donc l'œil descend Dieu. Exactement, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. On n'aime pas, mesdames et messieurs, donc on n'aime pas les gens qui mangent leur piment dans la bouche du prophète, voilà. Le prophète du temps de la fin. Voilà. Est-ce que c'est vrai que le prophète a déclaré que l'œil la pyramide sur le billet d'un dollar américain, c'est le sceau divin, et que l'œil au-dessus, c'est l'œil de Dieu. Est-ce qu'il a déclaré ou vous lui faites dire ça? On va lire sur l'œil. Rapidement seulement, parce qu'on repart là-bas, le frère Frichinel aussi nous a il dit choqué. Ceci dans la brochure « Les noms blasphématoires » prêché le 4 novembre 62. Il dit au paragraphe 73 « Regardez le billet d'un dollar américain. Vous le verrez sur le billet d'un dollar américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le sceau américain, un aigle avec des lances sur sa patte. Et sur l'autre côté, cela s'appelle le sceau des États-Unis. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide et au-dessus d'elle, un grand œil. Au-dessous, c'est marqué le grand sceau. Pourquoi est-ce serait le grand sceau dans cette nation même, au-dessus du sceau de notre nation? Voyez, peu importe ce que vous ferez, Dieu, lui, le fait quand même parler. Voyez, il fait que le pécheur en parle. Il fait que la nation en parle. Tout doit parler de lui. Que vous le vouliez, le croire ou pas, c'est la même. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Et parce que le fait n'est pas descendu, la pierre de fait n'est pas descendue, le sceau principal, parce qu'il a été rejeté, ce qui était le Fils de Dieu, la pierre angulaire du bâtiment, le sceau principal de la pyramide et tout cela. Donc pour Branham, l'œil qui était dans la pyramide, c'était l'œil de Dieu. Et cela confirme le fait qu'il a déclaré ici que tout son peuple est franc-maçon. D'accord, mesdames et messieurs, vous savez, on va vous dire deux choses, frère Frechnel, frère Boris. La première des choses, c'est que nous, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous sommes conscients du fait que les francs-maçons sont des gens respectables et respectés. C'est eux qui dirigent le monde depuis des siècles. Pour ne pas dire des millénaires. Respect. Ce qui se passe dedans, nous ne savons pas. Mais, respect. Ils ont réussi ce qu'ils font. Mais, si vous êtes franc-maçon et que vous arrivez pour vous faire passer, au chrétien, voilà. C'est ça qui est mal. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que Dieu, pour peu que nous ayons compris, la Bible dit non. Donc, est-ce que William Branham, c'est un franc-maçon du 33e degré, comme on dit, qui s'est fait investi d'une mission de pervertir l'Église avec de la franc-maçonnerie chrétienne, une franc-maçonnerie enrobée de christianisme et de chapitres bibliques et de certains miracles-là, comme ça on dit oui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la problématique qui nous réunit ici. Sinon, la franc-maçon, non, ce n'est pas eux. Hein. Ils sont tranquilles, ils sont en train de suivre au mieux la spiritualité des profondeurs. Nous les respectons beaucoup. Peut-être que nous-mêmes aussi sommes francs-maçons du 33e degré.
Nous les aimons aussi. Nous les aimons beaucoup. Oui. Mais nous n'aimons pas les embrouilleurs qui viennent manger leur piment dans la bouche des francs-maçons. Non. Alors, Frischnell, vous nous avez choqués. Hein? Une chose est de crier le mal de quelqu'un, de dire, de le déshabiller sur la place publique, comme vous déshabillez le prophète du temps de la fin. Depuis toujours que nous lisons les brochures, on n'a vu personne d'autre écrire de telles brochures. Il n'y a que lui. Mais vous avez tout déshabillé. Mais reconnaissez quand même ses valeurs. Les sept âges de l'Église. Pendant que tout le monde est suspendu là-dessus, vous dites que ce n'est même pas de lui. Ça veut dire quoi cette histoire? Alors, donc c'est du plagiat, quoi. Je l'avais prouvé. J'ai dit que l'enseignement sur les âges de l'Église est enseigné en 1909. Branham n'est pas encore né. C'est Charles Taz Russell qui enseigne ça. Et il a commencé à enseigner ça après son voyage en Égypte. Il est parti étudier la grande pyramide. Donc Branham n'était même pas encore né. Branham n'est même pas né. À cette époque-là. Non. Quand on parle de ça. En 1800 plutôt. Oui. C'était en 1800 parce que Branham est né en 1909. Lui, il a commencé en 1800. Hein, 1800. Un siècle à voilà. peu près avant lui. Voilà. Donc, il est parti en Égypte. Il a étudié la pyramide. Et puis, il a écrit le livre... De la révélation. Non, le livre d'abord qu'on avait appelé... Il y a un livre que vous nous aviez montré voilà, ici. Voilà. Les âges de l'Église. Il a écrit un livre comme les ça. Les âges de l'Église. Voilà. Où il est en train de parler de ces âges-là. Donc, les sept âges. C'est en 1919 qu'on va publier les sept messagers des témoins de Jéhovah, sinon des étudiants de la Bible. Et dont on avait vu l'image. On avait vu l'image. Voilà. On devra revenir avec toutes ces images-là. Voilà. Toutes Branham, ces images. Branham n'est pas dedans. Et puis, chez Russell, il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Jean, il y a Wycliffe, il y a Waldo, il y a Luther, et il y a lui-même, et puis il y a un là que j'oublie souvent. Il y en a un que vous avez oublié. Voilà. Donc, ils sont sept. Or, si on voit chez Branham, il y a un décalage au moins de deux personnes. OK? Et Luther, Charles Taz Russell le place dans une autre période. Chez Branham aussi, c'est aussi dans une autre période. Et du coup, on se rend compte que c'est un tâtonnement qu'ils sont en train de mettre en place pour enseigner. Mais au fond, si vous discernez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un enseignement qui est là, qui ne dit pas son nom. J'avais dit que c'est un enseignement franc-maçonnique. Donc, du coup, c'est comme si dans la pyramide, il y avait des secrets occultes qui s'y trouvaient. Et parmi ces secrets, il y avait la marche du monde. Et lui, il a découvert ça. OK ? Et il est venu annoncer. Au lieu d'annoncer que c'est la marche du monde selon... Que les Égyptiens ont laissé là-bas, voilà. Nous avons trouvé en héritage les vestiges de la civilisation égyptienne. Voilà. Or, s'il dit que ce sont des francs-maçons, ils savent que beaucoup de gens ne vont pas adhérer à s'intéresser ça. À ça. On va fuir. Parce qu'eux, ils sont toujours cachés là. Il fallait dire chrétien. Et quand on dit chrétien, tout le monde vient là, à cette âge. Évidemment, on dit que là-bas, c'est Jésus, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et en bref, par rapport à ce que le frère a dit, vous allez vous rendre compte que, surtout chez les frères du message, tout fonctionne comme dans l'éloge. La succession, comment élire un pasteur. Il y a toujours le père spirituel. C'est comme ça que ça se passe dans la loge. Okay? Et pour que vous hissiez des grades, vous devez être suivi par un père spirituel qui doit vous former, qui doit vous apprendre des nouveaux comportements, ainsi de suite, par rapport aux nouveaux grades, ainsi de suite. Il y a toujours un accompagnateur. Ils appellent ça comme le père de baptême. Il y a un nom là. L'évêque. Voilà. L'ancien. L'ancien. Okay? Donc, quelqu'un qui est là comme un patron pour... diriger parrainer. Les pas, voilà, parrainer le parrain, je voulais parler du parrain. Donc pour parrainer celui qui va être pasteur. Et on ne nomme pas n'importe qui pasteur. Ah. Pourquoi? On a par exemple celui qui joue la guitare, le frère Akwala. Quand on écoute ses chansons, il y a de l'enseignement quand même qui est là. Très belle chanson que nous aimons là. Il est au message depuis quand? Pourquoi il ne devient pas pasteur? Il y a des questions qu'on doit se poser. Et pourquoi il n'y a que des gens spéciaux qu'on doit ériger à cette fonction-là. Et du coup, quand on rentre un peu là, on se rend compte qu'il y a un secret. Mm-hmm. Il y a un secret qu'ils sont en train de gérer et ils ne choisissent pas n'importe qui. Et quand on choisit la personne, on lui donne sa troupe et il commence à gérer sa troupe. Et puis, un autre principe est que lorsque le pasteur ou lorsque un frère devient pasteur, il va dans son église, il peut modifier les textes. C'est-à-dire, il peut dire que bon, chez nous, là-bas, on a interdit de boucles. Bon, chez nous, on peut porter des boucles. C'est là où il y a eu des divergences. Chez nous, on peut. Là-bas, on ne peut pas, mais chez nous, on peut. Et évidemment. En franc-maçon, c'est comme ça. Lorsqu'on atteint le grade supérieur, on a le droit de modifier la doctrine
la rituelle. Et chez les Branami, c'est comme ça. Chez les frères du Missa, c'est comme ça. Vous allez dans le tabernacle, il y a ceci qui est interdit. Vous allez là-bas, c'est permis. Bon, ici, on enseigne que non, les sept sceaux, c'est déjà accompli là-bas. Non, ce n'est pas accompli. Donc, il y a des petites divergences qui les divisent et qui peuvent rendre certains célèbres dans certains milieux. Et tout cela, si on résume, c'est tout justement pour chercher la gloire de l'homme. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. En tout cas, tout ça, c'est pour rechercher la gloire de l'homme, sauf si, pas n'importe qui, mais les vrais enseignants, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais guides, les vrais quoi, pasteurs du message du temps de la fin arrivent ici pour dire le contraire, pour nous en faire une démonstration. Preuve à l'appui, brochure ouverte. Parce que aujourd'hui, là, 2016 s'achève, nous vous souhaitons tous nos voeux les meilleurs, déjà bonne fête et tout ça, tout ce que nous sommes là. Mais nous savons que la vérité, on ne peut plus la bâillonner. On ne peut plus la museler. Là. Maintenant, là, elle se déverse. Il faudrait que vous arriviez pour défendre le prophète. Voilà pourquoi. Vu le fait que vous êtes porté disparu, là, au milieu, ça dit la spiritualité des profondeurs a choisi la pensée du jour. Difficile de défendre le mensonge. Donc, ce n'est que partie remise. On chute là sans attendre votre conclusion. Sauf la conclusion, c'est eux qui vont venir prochainement pour que vous aussi ne fouillez pas et qu'on puisse croiser les écritures, croiser les brochures, revérifier avec Ecker et Compa l'appui si William Branham, le très grand prophète du temps de la fin, est franc-maçon ou pas. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Thank you.